aujourd'hui c'est du haut. Je suis venue chercher ma passagère. Regardez, je suis sympa. Je lui ai mis un top case avec un dos serré pour son confort. Ça va être marrant. Bon alors, ce XADV, ça dit quoi? Bah, c'est... C'est smooth, on va dire. C'est très bien pour dormir. C'est parfait quand on est un peu fatigué, faire la sieste, tout ça. Au top. C'était confort. C'est confort. C'est aussi... à un moment donné, j'ai fermé les yeux. C'était une mauvaise idée. Tu sais, c'est comme dans le siège APP après manger. Ouais. Tu t'assois. Bon bah c'est bon, t'es plus là après. Hein. Voilà, donc c'est vrai que le XADV déjà est confort pour le pilote, mais pour le passager, c'est apparemment c'est encore pire. Il se passe apparemment. Il se passe rien. On sent rien. Non, voilà, on sent rien. Si des fois en descente, ça fait un peu, on fait de la moto. Des fois, on a l'impression qu'on fait de la moto, mais la plupart du temps, un café, un bouquin, on est nickel. Hein. Et décédé, tu le sens pas? Non, non. Des fois, j'entends, oui. Mais c'est tout. Ouais, donc gros progrès de ce côté-là. Pour le pilote, le mode D est très bien pour la ville, ce qui va donner vachement de confort, vachement de souplesse pour éviter de secouer le duo. En montagne, on va dire que le S3, c'est obligatoire, parce que sinon, les reprises, des fois, c'est un petit peu dur. Bon, faut pas chercher à taper le chrono à deux dessus, hein. 54 chevaux, c'est bien pour se balader, mais c'est faire un MotoGP, c'est non. Et puis vu que je suis bien calée en arrière comme ça, Oui, d'ailleurs, si le passager est plaqué vraiment sur l'arrière, sur le top case, on va avoir tendance à sentir. S'il est un peu en avant, proche du pilote, on le sent plus du tout. Non, mais il y a le moule pour le postérieur de toute façon, donc on sait où il faut se mettre. C'est nickel. Voilà, il y a une forme sur le siège passager qui permet vraiment de se caler. Les bonnes grosses traces de bottes. La selle est un peu large, elle a du mal à monter, donc il y a des jolies marques. En ville, ça va bien. Mais alors, dès que ça devient dense, le gabarit, le poids de la moto plus le passager fait que c'est un peu la galère pour les bras au bout d'un moment. Ça devient vite fatigant. Heureusement que le DCT est là pour soulager. Muscu, fais de la muscu.